Tout n'est que paix et douceur dans ce beau pays de Provence, au cœur de ce petit village de Valorgue, où le bon soleil du midi a communiqué aux habitants un tranquille optimisme et une sérénité que rien ne saurait troubler. Monsieur le maire ! Mais que se passe-t-il ? Mais vous êtes fous ! Quel vent de folie souffle sur Valorgue ? Le héros de cette aventure... Félicien, pas calme. Mais je suis calme. C'est Fernandel. C'est lui, le boulanger de Valorgue. On a faim. Ah, vous avez faim. Tiens, mange la prochaine fois, je t'avais mangé avec la colle. Et voici quelques-uns des habitants de Valorgue qui vont jouer un rôle important dans cette histoire. Le maire. Non, il est évident que... Son adjoint, Courtecuisse. Oh, et puis écoutez, si vous n'en voulez pas ce prix-là, laissez-le. Thomas Galston, les gants sacrés. L'épicière. Parce que si on vous donne le temps, il profite, hein. Sa fille Françoise. Justin. Prêt à parler. Le receveur des postes. Je n'ai pas capitulé en 40. Mon bureau est resté ouvert. Je ne capitulerai pas maintenant. Le facteur. Et vous voudrez faire quelque chose? Le chef de l'Orphéon. Le curé. Bonjour, madame Lebrun. Bonjour, monsieur le curé. Les gendarmes. Bon. Delcas, faites circuler. Allez, circulez. Les amis de monsieur Félicien, ils vous en... Le forgeron. Comme la semaine dernière, hein, quand tu rentrais chez toi. La semaine dernière. Oui, la semaine dernière, quand tu as cru ouvrir la porte du boitaire et que tu as pissé sur les géraniums de la terrasse. On vous a fait lever, peut-être, hein? Oh non, nous, vous savez, on a l'habitude de laisser coucher tranquillement. Ah oui. Panettiere! Siete della Francia! Ehi, Francesco! Volete parlare con Francesca? Oh, potevate dirmelo! La dernière fois que je te dis petit. Quand tu reviendras, tu seras un homme. Dans le village, on ne dira plus. Justin, c'est le petit du boulanger, mais on dira. Le boulanger, c'est le père de Justin. Vous saviez où j'étais? Oh, mais moi j'ai la tête solide et les pieds par terre. J'ai pensé tout de suite que tu étais ici. Dès que je serai revenu, ça va recommencer. Ah non, ça, moi je te le promets. Oh, que ma petite! Quoi? Oh, ma petite! Et maintenant, ceux qui ont les pieds fragiles, je les préviens que ça pèse 5 tonnes. Allez! Ça fait tout grandir. Les melons, les enfants, les histoires d'or. Et maintenant... Ah,